l'apprenti sorcier. Tournicoton, quand le magicien n'est pas là, les villageois s'amusent. Nous, magiciens, on a besoin de vacances. Alors, vive les voyages! Et vive les vacances! Vous me manquez déjà! Eh, Zébulon, j'ai besoin de tes pouvoirs magiques, mon pote. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma guitare. Elle ne fait plus que des fausses notes. Oh, j'entends. J'ai jamais vraiment compris comment on faisait pour accorder. Je m'en occupe. Charroi, double roi. T'es trop génial. Merci, vieux frère, t'es trop cool. Donc, comme je disais, ciao, ciao. Dites-donc bien, j'avais besoin de l'aide d'un magicien. Alors, on ne se sent pas dans son assiette? Oui, je me demandais si par hasard tu pouvais guérir ce petit rhume qui me tracasse depuis un... Non, laisse-moi faire. Tu es une merveille sur ressort, mon cher Zébulon. Bonne journée. Très bien. Alors, filons vite fait avant que... Oh, Zébulon! Oui? Azalée n'a plus de fleurs dans son jardin. Tu ne pourrais pas en faire pousser par magie pour qu'elle puisse se nourrir? Elle a terriblement faim. Margot, je suis officiellement en vacances, vois-tu? Oh, c'est super pour toi, ça. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Un chapeau magique. Tu peux t'en servir pendant que je suis absent. Mais je te préviens, Margot, c'est un chapeau de sorcier. Prends-en grand soin et surtout ne le laisse jamais tomber entre de mauvaises mains ou pattes. T'inquiète pas, Zébulon. Je ne le perdrai pas de vue, ce chapeau, je te le promets. Je l'espère pour toi. Zébulon! Comment est-ce que ça marche? Sortez, petite fleur. Sortez vite de terre. Alors, petite coquine, essaie de demander avec un peu plus de panache. Déclame comme une actrice sur une scène de théâtre. Par les pouvoirs conférés à ce chapeau, fais pousser des fleurs. S'il te plaît. Oh. Oui. C'est incroyable ce qu'on obtient avec la politesse, merci. Mes yeux ont-ils vu ce qu'ils ont vu? Un chapeau magique, hein? J'espère que tu ne comptes pas le garder juste pour toi, Margot. Désolée, Pollux, mais j'ai promis à Zébulon que je ne le perdrai pas de vue un seul instant. Hey, allez, juste un petit tour de magie, s'il te plaît. Non. Bon, d'accord, tu n'as qu'à me regarder jouer avec. Comme ça, tu ne perdras pas ton précieux chapeau de vue. Allez, juste un tout petit nonos magique pour le gentil Pollux. Eh bien, bon, d'accord. Juste un petit nonos et pas de trucs bizarres, d'accord? Voyons, Margot, ce n'est pas mon genre de faire des trucs bizarres. Par les pouvoirs conférés à ce chapeau, donne-moi un nonos. S'il te plaît. S'il te plaît. Le dîner est servi. Pollux. Tu sais quoi? J'aimerais bien avoir un chapeau comme le tien. S'il te plaît. Pollux, rends-le-moi. Allez, bon appétit. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Je suis sûr qu'elle ne s'est même pas rendu compte que son chapeau magique en a créé un autre. Je suis un petit génie, si je puis me permettre. Madame, la carotte géante. Ah! Une carotte géante? Admirez le bonheur de ce petit lapin. Grâce à ce chapeau, je vais pouvoir répandre la joie au village. Bonjour, Ambroise. Bonjour, Pollux. Sympa ton chapeau. Gymnastique matinale, n'est-ce pas? Oui, comme on dit, il faut souffrir pour être beau. Pauvre Ambroise, il va se fatiguer s'il continue comme ça. C'est l'occasion d'utiliser mes nouveaux pouvoirs magiques. Oh, ça y est, j'ai atteint un nouveau niveau dans la pratique de mon sport. Regardez-moi ça, j'ai des roulettes maintenant. Bon, maintenant que je me suis bien occupé des autres, je vais m'occuper de moi. Oh, à quoi ça sert d'avoir des pouvoirs magiques si c'est pour ne pas s'en servir? Par le pouvoir conféré à ce chapeau, vaisselle sale la foi toute seule.
Oh, très bien, voilà un bon petit déjeuner. Maintenant, voyons voir ce que ce chapeau peut vraiment faire. Hey, Pollux, tu es un génie et le monde le saura bientôt. Par le pouvoir conféré à ce chapeau, je veux une statue de moi. S'il te plaît. Hey, oui, très bien, très ressemblant. Maintenant, il faudrait que j'enterre ces nanas. Mais avant ça, il y a quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Des alarmes à nanas. Si quelqu'un essaye de les déterrer... Par le pouvoir conféré à ce chapeau... Ah, ce chapeau magique est plus que merveilleux. Yo, Margot, j'ai un gros problème avec ma carotte. Ah oh oui, je vois ça. Et moi, c'est avec mes roulettes que j'ai un problème. Mais d'où sors-tu cette carotte géante? Et toi, ces roulettes? Ben, c'est apparu juste comme ça, comme par magie. Comme par magie, tu dis? Ce chapeau, je veux faire disparaître la carotte et les roulettes, s'il te plaît. Et maintenant, voyons voir ce que Pollux manigance. Par le pouvoir conféré à ce chapeau, trouve-moi Pollux, s'il te plaît. Waouh, trop cool, mon pote. Ça, c'est la belle vie. Pourquoi marcher alors qu'on peut voler? Pollux! Oh. Oh. Comment as-tu osé? Tu m'as trompé. Margot, c'était juste pour m'amuser un petit peu. Je n'ai rien fait de mal. La carotte de Flappy aurait pu devenir aussi grosse que le manège enchanté si je n'avais pas conjuré le sort. Et je ne parle même pas du pauvre Ambroise et de ses roulettes. Pollux, fais disparaître ton chapeau immédiatement, tu as compris? Et pourquoi je le ferai? Parce que tu n'es pas un magicien, voilà. Toi non plus, à ce que je sache. Oh, dans ce cas, faisons disparaître nos chapeaux tous les deux. Bon, d'accord. Par le pouvoir conféré à ce chapeau, disparaît chapeau magique. S'il te plaît. Pollux. Oh, s'il te plaît, rabat-joie. C'est bien, Pollux. J'ai eu mon compte de magie pour aujourd'hui. Oh là là! Mais c'est bien la première fois que ça fait ça. En tout cas, c'est pas ma faute. Chardon, quel vacarme! Quel est donc cet horrible bruit? Oh, c'est sûrement une de mes petites alarmes à nanas. Une alarme à nanas? Je suis sûre que c'est la fin du monde! Je ne peux même plus m'entendre manger! Mais c'était vraiment très étrange. Me voici de retour de vacances! Je vois que vous vous êtes tous bien amusés pendant mon absence! Ah, quel soulagement! Désolée, Zébulon, mais ce n'était pas une bonne idée de me confier ton chapeau de sorcier. Je ne dirais pas ça, ces pâquerettes sont délicieuses! Et moi, j'ai battu le record de vitesse des escargots! Quant à moi, je n'oublierai jamais cette carotte! Bon, au moins maintenant, il n'y a plus de magie folle dans le village! Peut-être reste-t-il encore une petite chose. On dirait qu'il y a de la classe. J'espère que tu ne tenais pas trop à cette vaisselle. Où est passé ce Zébulon, hein? Dites-moi. Oh, regardez-moi tous des ordres. C'est un vrai maniaque du ménage. Zébulon. Oh, merci, Zébulon. Je pense qu'à l'avenir, on te laissera faire la magie toi-même. Je vais te nettoyer tout ça façon Zébulon. Non, je pense que l'ancienne méthode sera beaucoup plus efficace, avec l'aide de mes fidèles amis, bien sûr. Oh, tu ne veux pas me rendre invisible, s'il te plaît? Non, Pollux, mais ne boude pas, car c'est l'heure de faire la fête! Je sens une grosse fatigue, moi. Tourner.